J'ai toujours aimé le dessin et la peinture. Sur la technique, je suis autodidacte. J'ai surtout commencé à 10 ans à peindre. Pour répondre au métier de directeur d'agence, je pense que c'est important d'être fonceur et d'avoir confiance en soi, tant pour répondre aux besoins de mes clients et également accompagner mes collaborateurs. Donc ce qui est important quand je réalise la toile, c'est d'être à l'écoute de ce que je ressens, à l'écoute de mes envies. Bien évidemment, quand on me demande de faire une toile particulière pour quelqu'un, je vais être à l'écoute de ce que la personne veut. Être à l'écoute, c'est très important dans mon métier de directrice d'agence et de manager d'équipe. Autant des collaborateurs que des clients. Des collaborateurs, eh bien, pour qu'on ait une bonne ambiance de travail, que chacun s'y sente bien. Et pour mes clients, si je ne suis pas à l'écoute d'eux, je ne pourrai jamais répondre à leurs besoins. Donc pour moi, l'écoute, c'est vraiment une qualité inhérente à mon travail. Quand je commence une toile, je ne sais jamais ce que je vais peindre à l'avance. En revanche, ce que j'aime, c'est la finir. Je ne supporte pas ne pas terminer un travail commencé. À l'agence, c'est pareil. Si j'ai une valeur pour mes collègues, pour mes clients et même pour moi, bah, c'est l'engagement. L'engagement qu'on soit tous bien et qu'on réponde vraiment aux besoins de tout le monde. En peinture, c'est vrai que j'ai des domaines de prédilection, donc j'aime bien peindre autour du sujet de la mer. Et bien parfois, j'ai dans mon entourage des personnes qui me commandent des toiles spécifiques. Et à ces moments-là, et bien, je dois m'adapter à leurs demandes et également adapter mes techniques de peinture pour leur produire une toile mais à leur image et répondant à leurs envies. Donc quand je dois manager mes équipes, chacun a une personnalité différente et je dois donc m'adapter ou adapter mon management à chacun de mes collaborateurs. Et bien c'est pareil avec mes clients. Pour répondre au mieux à leurs besoins, je dois m'adapter également à leurs attentes, à leurs envies, pour leur apporter les meilleures réponses. Ce que j'aime dans la peinture, c'est que c'est un moment pour moi. C'est un moment où je vais me lâcher, c'est un moment où je vais faire jouer mon imagination, je vais passer un moment à moi où je vais pouvoir poser sur la toile un sentiment, une émotion. Pour le faire, j'applique différentes techniques. Elles n'ont pas toujours été réussies parce que je découvre toute seule. Par contre, j'ai jamais lâché. J'ai toujours recommencé jusqu'à temps de trouver un moment où je me suis sentie épanouie et satisfaite de mon travail. Au sein de mon agence, ce que j'aime, c'est travailler avec des collaborateurs qui ont des caractères, des valeurs et des personnalités différentes. Et je pense que c'est très enrichissant pour mon entreprise.